Massifier les flux. La massification consiste à regrouper les flux de marchandises de plusieurs entreprises pour les expédier vers une même destination afin d'optimiser le taux de remplissage des unités de transport. Mais à quoi sert la massification, me diriez-vous ? La massification répond à deux enjeux forts et actuels. En réduisant le nombre de transports sur la route et en favorisant le transport par train, les émissions de CO2 seront alors considérablement réduites. La massification nécessite une connexion entre les acteurs de la chaîne logistique et la mise en place d'outils de suivi commun qui favoriseront une meilleure traçabilité des flux. Je parle et j'en oublie les bonnes manières. Je ne me suis pas présenté. Je suis Romain, expert en massification, et on m'a confié la lourde tâche de vous expliquer la méthodologie de la massification. Pour cela, nous allons parcourir ensemble les différentes étapes nécessaires au lancement d'un train transportant les marchandises de plusieurs entreprises. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour faire partir le train, il faut vous rendre à chaque étape où des explications vous seront données. Il est temps de vous rendre à l'étape 1, la première réunion de présentation avec les chargeurs. Je vous invite à entrer dans la salle de réunion pour voir ce qui s'y passe. Appuyez sur la première étape, on vous attend. Rassembler et sensibiliser les chargeurs. La première étape est primordiale pour le projet. Elle va permettre aux chargeurs de se rencontrer et de créer un groupe de travail solide. Je vous explique en quelques mots ce qu'est un chargeur. Un chargeur, plus communément appelé industriel ou distributeur, est le propriétaire des marchandises qu'il confie à un transporteur afin de les acheminer d'un lieu à un autre pour le compte d'un client. En amont de cette première réunion, un travail de sensibilisation doit être mené auprès d'un groupe de chargeurs afin de fédérer un maximum de participants. Pour animer ces réunions, il est conseillé de faire appel à un organisme neutre ou neutral body. Il pourra être ainsi un point de repère stable tout au long du projet. L'objectif de cette réunion est de présenter en détail la démarche de massification et de créer un véritable climat de confiance. Après cette réunion riche en échanges, nous pouvons passer à la deuxième étape, la collecte et l'analyse des données des chargeurs. Je vous laisse vous y rendre. Collecter, analyser les données des chargeurs et identifier la destination. Les chargeurs impliqués dans la démarche de massification ont transmis leurs données relatives à leur activité, origine-destination, typologie de produits et volume, au neutral body pour faire une analyse détaillée. Les résultats de l'analyse menée par le neutral body sont ensuite présentés au groupe de chargeurs. L'analyse fait ressortir les principales destinations communes et les chargeurs choisissent ensemble la destination qui sera retenue pour la massification de leur flux. Jusqu'ici, tout va bien pour vous ? Ça vous semble clair ? Maintenant que les chargeurs ont choisi une destination commune, il est nécessaire de voir si la liaison ferroviaire est techniquement réalisable et rentable. Pour cela, rendez-vous à l'étape 3, l'étude de faisabilité technique et financière. Étudier la faisabilité technique et financière.
La destination choisie par les chargeurs doit faire l'objet d'un travail de recherche approfondi pour bien connaître les caractéristiques et spécificités de la ligne avant de se lancer dans toute démarche concrète. Ce travail peut être confié à un prestataire externe qui a une bonne connaissance de cette destination. Le prestataire analysera notamment les potentiels obstacles physiques présents sur la ligne et il déterminera un coût par unité de transport en fonction du taux de remplissage du train. Pour s'en assurer, rien de mieux que de prévoir une visite du terminal afin de rencontrer les interlocuteurs clés, observer l'activité et les infrastructures du terminal. Le Neutral Body peut se charger de cette visite et faire un débriefing de ses observations au groupe de chargeurs. Bonne nouvelle ! La ligne est viable et rentable. On continue ? Voyons ce qui se passe à l'étape 4, l'analyse des flux retours. Analyser les flux retours. La massification ne doit pas être pensée que dans un seul sens. L'identification des flux retours est une condition primordiale pour optimiser les coûts de transport. C'est pourquoi un travail d'identification et de sensibilisation des chargeurs et d'analyse de leurs données doit également être réalisé dans le pays du terminal identifié. Il ne nous reste plus que deux étapes et vous saurez tout sur la massification. En tout cas, je l'espère. La connexion est viable, nous avons identifié des flux retours, allons sans tarder à l'étape 5, l'intégration des opérateurs de transport. Intégrer des opérateurs de transport. La massification ne concerne pas seulement les chargeurs, mais l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Pour mettre en place une ligne massifiée, il est nécessaire de faire appel aux gestionnaires du terminal, aux opérateurs ferroviaires qui, eux, assurent la mise à disposition des trains, ainsi qu'aux prestataires logistiques qui se chargeront des transports en amont et en aval du transport massifié. Les chargeurs rencontreront les différents opérateurs et décideront ensemble des acteurs opérant sur leur ligne massifiée. Nous y voilà ! Dernière étape du parcours de la massification avant le départ du train, la formalisation du contrat entre les acteurs. Formaliser le contrat entre les acteurs. Dernière étape essentielle qui engage l'ensemble des acteurs autour du projet de massification des flux de marchandises par le train, la signature des contrats. C'est à ce moment que sont conclus le coût par unité de transport, les volumes engagés par chargeur, leur fréquence d'expédition. Cette étape permet de garantir l'engagement des chargeurs et des opérateurs sur une période donnée. La ligne massifiée est désormais actée, il est temps de charger et lancer le train. Voilà, ma mission est terminée. J'espère que mes explications vous ont mis sur la bonne voie. On peut dire que la massification, c'est le covoiturage de marchandises. En voilà une définition simple. C'est désormais à votre tour de massifier vos envois pour une logistique durable.